Bienvenue sur WestCat, la seule chaîne au monde qui te permet de draguer avec Excel. Dans cette vidéo, on va voir comment s'en sortir à la Saint-Valentin quand on n'a pas un rond. On va faire ça avec Excel et l'équation de l'amour. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le régime de mon chat, lâche-moi un like. Voilà l'équation qui dessine un cœur. C'est rempli de sinus et de cosinus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours du collège, mais en gros, un sinus, ça fait des vagues, et un cosinus, ça fait des vagues aussi, mais c'est pas les mêmes. On va marier les sinus et les cosinus pour arriver à dessiner un cœur, et ensuite, on ira un petit peu plus loin pour réaliser un double cœur animé. C'est parti! Pour le cœur simple, je vais aller dans l'onglet cœur. Le cœur est composé de 50 points. Donc au niveau de mes données, j'ai 50 lignes, l'ID 1 jusqu'à l'ID 50. Et il ne me reste plus qu'à entrer l'équation. On a trois paramètres, t qui va de moins 25 à 24, x, soit l'axe des abscisses, et y, l'axe des ordonnées. On va commencer par l'axe X. Je vais me placer en C2 et la formule va être égale 16 fois. J'appelle la fonction puissance. Au niveau de l'argument nombre, cela va être la fonction sinus. Sinus de t, pour cette ligne, la valeur de t se trouve en B2. Je ferme la parenthèse, point virgule. Deuxième argument de la fonction puissance, on veut la puissance 3. Ferme la parenthèse et entrée. Pour l'axe des ordonnées, égale 13 cosinus, à nouveau la valeur de t, donc qui se trouve en B2. Je ferme la parenthèse, moins 5, à nouveau cosinus, 2 fois la valeur de t. Je ferme la parenthèse, moins 2 fois cosinus, 3 fois la valeur de t, moins cosinus, 4 fois la valeur de t qui se trouve pour ma première ligne toujours en B2. Ferme la parenthèse et entrée. Pour x, j'ai 0,037 et pour y, 5,355. Je vais tirer mes deux formules vers le bas jusqu'au point 50. Et maintenant, magie, je vais aller dans insertion. Je vais sélectionner insérer un nuage de points. Je vais sélectionner le nuage de points et voilà mon cœur qui apparaît. Alors, je vais un petit peu arranger mon cœur. On peut le laisser en bleu si vous aimez le bleu, mais si vous voulez du rouge, je sélectionne mon graphique, création de graphique, modifier les couleurs et je sélectionne par exemple cette couleur. Voilà pour mon premier cœur. Vous êtes prêts pour le double cœur animé? Ici, même principe, simplement on a deux cœurs. Dans la colonne C, j'ai le paramètre H. H0 est notre premier cœur. Il va du point 1 jusqu'au point 50. Ensuite, nous avons notre deuxième cœur qui est noté H1. Il va du point 51 jusqu'au point 100. Pour différencier nos deux cœurs, l'astuce est d'ajouter à notre équation moins la valeur de t multipliée par une valeur que nous allons faire varier par la suite. Pour le moment, elle est en H2 et elle est paramétrée à 100. Voilà l'équation pour l'axe X, donc avec ce paramètre qui a été ajouté, et idem pour l'axe Y. À nouveau, la valeur de t qui est en C2 multipliée par la valeur de la cellule H2 que nous allons faire varier. On va voir ce que ça donne d'un point de vue graphique. Je vais simplement sélectionner mes données. Je me positionne en D2. Mes données ont été sélectionnées. Je vais aller dans Insertion et au niveau de graphique, insérer un nuage de points. Nuage de points. J'ai bien mes deux cœurs. Je vais un petit peu modifier mon graphique. Voilà le résultat. Maintenant, pour ajouter de l'interactivité à ce graphique, nous allons faire varier la valeur qui est dans la cellule H2. Pour ça, je vais utiliser la fonction aléa entre bornes égale aléa entre bornes. Et je vais par exemple choisir un minimum de moins 50, point virgule, et un maximum de 50. Ferme la parenthèse et entrée.
Et là, je vois que ma formule a choisi aléatoirement le chiffre 32. Et donc, j'ai mes deux cœurs qui ont bougé. Si j'appuie sur la touche F9, la valeur de la cellule H a changé et mes cœurs ont bougé. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.